Je me demande pourquoi on m'a fait venir ici. C'est peut-être un piège. Je ferais mieux d'être sur mes gardes. C'est la vieille centrale électrique de Pico. Je pensais qu'elle était abandonnée. Et maintenant, où est-ce que je dois aller? Il doit y avoir une indication, un signe quelque part. Du verre pilé, coupant comme des rasoirs. Impossible de faire demi-tour. Il va falloir que je rampe là-dessus. Essayez de ramper doucement pour ne pas me déchirer les avant-bras.
la flamme de l'allumette. Elle me montre d'où vient l'air frais. Une impasse. Je vais mourir ici si je ne trouve pas rapidement la sortie. Ma vue se trouble. Doucement. Il faut que j'avance doucement. Sinon, je vais tomber dans les pommes. Des rats. Charmant. S'ils sont arrivés ici, je suppose que ça veut dire qu'il y a une autre issue. La flamme de l'allumette. Elle me montre d'où vient l'air frais. Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Ah.
Thank you.
Oh mon Dieu. Ethan. Ethan, vous m'entendez ? Ce sont des traces de brûlures sur votre torse ? Vous êtes brûlant de fièvre. Désolée, mais il faut que je vous enlève vos vêtements pour pouvoir vous soigner. Vos bras sont dans un sale état. Il va falloir désinfecter les plaies. Vous êtes sérieusement brûlé. Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce qui a bien pu le mettre dans cet état ? Bon, je suis pas médecin, mais je vais faire ce que je peux. Ça devrait calmer la douleur. Yeah.
vos coupures sont désinfectées. J'ai fait ce que j'ai pu. Comment ça va? Ethan? Il est tombé dans les pommes. Il n'y a plus rien que je puisse faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et espérer qu'il se réveille. Vous vous sentez comment? J'ai connu mieux. J'ai dormi longtemps? 3 heures environ. Vous jouez souvent les anges gardiens? Avec des inconnus? Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix. Je pouvais pas vous laisser comme ça. Vous avez dit que vous étiez là parce que vous êtes insomniaque. J'ai vécu des choses plutôt difficiles durant ces derniers mois. Du genre qu'on voudrait essayer d'oublier. Je fais ce que je peux pour vivre avec, mais c'est pas facile. Est-ce que vous avez des ennuis? Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pardon, je n'aurais pas dû vous poser de questions. Après tout, on se connaît à peine tous les deux. Vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Écoutez, je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Mais dans votre intérêt, je crois qu'il vaut mieux que vous ne posiez pas de questions. Je pourrais peut-être vous aider. Personne ne peut m'aider. Vous avez déjà fait beaucoup, Madison. Bon. Je vais y aller. Faites attention à vous.